ce que tu es venu chercher, Booker. Tu me trouveras derrière le monument de la Première Dame. Ça, c'était traître. On peut penser ce qu'on veut de Madame Comstock. Cette femme avait des goûts très assurés. Une statue qui pleure. Tu vois ce que Comstock a fait de mon histoire. Regarde comme il réécrit la sienne. La progéniture du prophète n'eut besoin que d'une semaine dans le ventre de notre première dame. Comstock a eu un enfant. Je n'ai jamais rien lu à ce sujet. C'est toi. C'est un sacré oubli. C'est probablement pas un accident. Mais l'enfant tomba malade, et Madame Comstock pria pour lui jour et nuit. Tout ? Ok. Voilà ma tour. Écoutez, Daisy Fitzroy a assassiné ma bien-aimée. Mais elle n'aura pas l'enfant. Elle n'entravera pas la prophétie. La progéniture du prophète montera sur le trône et déchaînera les flammes sur les hommes. Tu es la fille de Comstock. Non, impossible, je... Mais non! Il veut que tu continues ce qu'il a entrepris. Et moi, j'aimerais un poney. Mais on n'a pas toujours ce qu'on veut. Ah, j'adore. Regardez ça, comme elle se rebelle. On dirait une ado qui a ses règles. Ah, il y a une serrure. Tu peux jeter un coup d'œil? Le meurtre de notre première dame par l'anarchiste Daisy Fitzroy. Tiens, tiens. Envers ceux qui m'aimaient, je faisais preuve de la plus grande générosité. Je n'étais jamais avare en souffrance, ni en trahison, que j'offrais toujours de bon cœur. Et une fois le cœur de tous ceux qui m'aimaient piétiné, le prophète m'a dit « Rien de tout ce que tu as fait ou feras ne saurait m'empêcher de te pardonner. Car Dieu m'a donné la vue, et par ses yeux, tu seras toujours aimé. » Ouais, mais il n'a pas prédit que t'allais mourir par contre. La vengeance du prophète. Ah oui, ils ont tué sa femme, ils sont dit il est pas content, c'est normal. Il a pas dit qu'il était derrière la statue de la première dame. Moi je peux passer, mais vous êtes trop large. Je vais explorer, voir s'il y a un moyen d'avancer. Fais gaffe à toi. Là. Hein? Est-ce que... C'est une faille. Je peux faire venir des choses dans ce monde. C'est un point d'accroche. Ça tombe plutôt bien. Je vous l'ai dit, les failles répondent à mes souhaits. Très bien. Dites-moi si vous voulez que je fasse venir ce point d'accroche. Je crois que d'autres surprises nous attendent. Dès que je suis anxieuse, des failles se mettent à apparaître. Booker, vous voyez ces failles? Elles peuvent nous aider à nous battre. Cette faille nous permettra de prendre de la hauteur. Et celle-ci nous donnera une tourelle. Une couverture. Tiens, celle-là! Une tourelle, vite! Bon! Ah! 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 Ah!
Aïe, 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 aïe. Headshot. Headshot. J'aurais fait sauter la cervelle, dis donc. Et la tourelle, elle a servi à quelque chose ou... Ah, ils l'ont déjà cassé en fait. Aïe, 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 aïe. Transport pour Batman. Ça suffit, Slate. On a besoin de ce tonique pour quitter Columbia. On le prendra par la force s'il le faut. Slate ! Ah, ça recharge la mitrailleuse, dis donc. Donc ici, on a les sans-têtes. Je crois que je vais m'essuyer cette précision. Ah, il y a quelque chose là. Est-ce qu'on peut... Tenez, de l'argent. Merci. Génial. Ah ok, ça marche pas en fait. On sait le faire venir mais il marche pas. Essaie de repérer ce tonique électroquartz. C'est toujours la même chose. Et le jeu, je suppose. Ah non, il y a possession soldée. L'utilisation de possession vous coûte moins de cristaux. Ah mais j'ai pas assez, zut. Parce que ça serait vraiment utile. Alors, est-ce que c'est ce qu'on a déjà vu? Je crois pas. Quand se montrera-t-elle? Quand tu seras mort, vieux fou. Voici l'enfant miracle. Après 7 jours seulement, ça c'est ce qu'elle a fait croire. Hein. Ah, mais Comstock, c'est pas la scientifique qui a créé la ville, ça? En tout cas, elle lui ressemble. Des soldats de plomb, Booker. C'est ce que Comstock veut faire de nous. Des rouages et des câbles à la place du cœur. Ah ok, pour un certain temps, on va servir. Ah, je voudrais t'y voir. Tu vois, Booker, peut-être es-tu toujours l'homme que j'ai connu alors. Peut-être as-tu changé. Peu importe,
Comstock a pris notre passé et effacé notre âme. Aujourd'hui, il veut ma peau. Et quand ce sera fait, il ne restera plus que le mensonge. Donne-moi ce que je suis venu chercher! Bon, j'ai pas besoin de kit de soins. C'est verrouillé. Restez sur vos gardes. C'est fait. L'endroit a été mis à sac. Il n'y a plus d'électroquartz. Slate a dû tous les prendre. Regardez. Ah, il s'énerve, lui. Pourquoi est-ce que tu t'énerves? Est-ce que j'ouvre ce coffre? Après, j'ai plus de crochet. Décision difficile à prendre. Non, on va pas le prendre. Ça, si on pouvait sauvegarder avant, savoir ce qu'il y a dedans. Est-ce que... Slate... Il est là. Là, mais... Aïe. Bon, il est là, mais il n'est pas là. Stock. Il vient affronter Slate. C'est Slate qui a tué pour son pays à Wounded Knee. C'est Slate qui s'est battu à Pékin. Slate! Slate! Comstock arrive, Booker. Mais il veut plus que nos vies. Oui, son but ultime, c'est de nous transformer en plomb. Je l'en empêcherai. Il a pris mon passé, mais il n'aura rien d'autre. Donne-nous le tonic, on n'a pas besoin d'en arriver là. Et voilà, les enfants, une vraie mort de soldat. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là, oh là, oh là, on va se calmer, là. Ok, attrapé. C'est parfait. Hitchhot. Tu n'es pas le Booker DeWitt de mes souvenirs, soldat de plomb, soldat de plomb. J'ai rien dû faire que d'elle. Oula, il y a un pyromane là-bas. Laissez les flammes vous purifier. Boom. C'est le moment.
Eat shot. C'est tout ce que tu sais faire, soldat ? Fais un effort, DeWitt ! Ne déçois pas mes hommes ! L'anarchie est telle autre chose qu'un coup de couteau dans le dos de notre prophète. Oula, oula, oula. Réjouissez-vous, car vous ne sentirez pas la mort. Booker, tenez! Merci. Je vise juste, car mon allié est celui du prophète. Allons, DeWitt! Montre-moi de quoi tu es fait! Il n'a pas encore marre, lui. Qu'est-ce qu'il a encore inventé? C'est quoi ça? Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir des cristaux, surtout. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Il a activé un truc là-bas. Caché celle-là, dis donc. Condamné à l'échec, tout comme l'était ce courageux Custer à Little Bighorn. Mais nous ne céderons pas face à Comstock et à ses soldats de plomb. Mon éclaireur l'a aperçu. Booker DeWitt arrive, il se dirige vers l'antre. DeWitt. On l'appelait l'Indien blanc de Wounded Knee, pour tous les horribles trophées qu'il rapportait. Un homme aussi honorable. Il nous donnera peut-être la paix que nous cherchons. Bon. Je sais pas quoi dire parce que je suis complètement perdu. À moitié plus rien. Oh là, oh là, oh là, oh là. Boum! Est-ce qu'on peut tirer sur ces machins? J'irais pas près de lui si j'étais toi. Ah, il est encore vivant, évidemment. Ce n'est pas fini, soldat! Tu dois terminer ce que tu as commencé! Allez! Ok. S'il y a que ça pour te faire plaisir. Ils ne t'ont pas changé, Booker. Pas du tout.
L'électro-quartz. Bon, j'espère que ça vaut le coup, Slade. Et encore une mutation. Press to shoot a bolt of electricity. Hold and release to create a shocking trap. J'adore qu'il te répète ce qu'il vient de te mettre, quoi, c'est... C'était sans doute de la pitié. Les hommes de Comstock l'ont emmené. Tu dois avoir raison. Est-ce qu'un jour on s'y habitue? Au meurtre? Plus vite que tu ne pourrais croire. Avec moi, tu vas vite t'habituer, ma vieille. Bon, je sais pas où on est censé aller maintenant. On va déjà sortir de là. Bon, ça reste quand même dans le principe de... Regarde, on est vivant. Ça reste dans le principe de Bioshock 1. Vous savez, ces toniques sont vraiment puissants. Je ferai de mon mieux pour vous approvisionner en cristaux. Merci. C'est qu'elle est super gentille, elle. Donc je disais, c'est un peu comme dans le principe du Bioshock 1, quoi. C'est, on est bloqué, on va tuer un boss, on récupère ce qu'il nous faut et on retourne chercher. Bon, à part que les environnements sont quand même un peu plus larges que dans Bioshock. Donc c'était ça la fameuse Vox Populi. C'est... Elle est pire qu'un magasin ambulant, hein. Aïe, on l'a eu. Je vois bien que ce qu'a dit Slate vous tracasse. Vous m'avez montré... qu'il faut parfois se donner les moyens de survivre. Il y a ceux qui survivent, et ceux qui prennent plaisir à le faire. Booker... Écoute, tu m'as l'air d'être quelqu'un de bien. Mais il vaut mieux que t'en saches pas trop sur moi. Le moins possible. Tu sais que tu la rassures vachement en disant ça. Il faut des munitions pour le fusil de précision. Eh ben, suffisait de demander. Mais elle est déjà sortie. Utiliser le trottoir pour charger un conduit électrique. Oh, toi, vieux marin. Non.